Vos nouvelles régionales maintenant suivent à l'instant. On se retrouve tous à 17h30. De report en report, les partisans du tramway commencent à craindre le pire. Et les conservateurs misent sur le mécontentement. Éric Duhaime présente un candidat anti-tramway dans Jean Talon. Bienvenue à Nouveau Info Québec. Bonsoir tout le monde, bon début de semaine. Vous aurez remarqué qu'on a apporté quelques changements pour la nouvelle saison, nouveau nom, surtout nouvelle heure. Hein? Toute l'équipe de Nouveau Info Québec qui vous retrouve un peu plus tôt maintenant à 17h06, c'est un rendez-vous du lundi au vendredi. On débute d'ailleurs notre bulletin d'information régionale ce soir avec le dossier du tramway. On devra encore patienter avant d'en connaître les coûts. Ce sont les consortiums impliqués dans le projet qui en ont fait la demande. Jacques Alain, cette fois-ci, là, c'est un retard qui pourrait affecter la date de mise en service. Oui, tout à fait, Lisa-Marie. On le sait, on n'en est pas à notre premier retard dans le projet de tramway. On n'a qu'à penser en juin dernier, alors que le maire Marchand nous avait annoncé que le dépôt du volet technique serait reporté de quelques semaines, mais tout en nous promettant que ça n'aurait pas d'impact sur l'échéancier final. Bien, aujourd'hui,